Salut toi, je voulais faire juste une vidéo en fait pour te dire que je crois qu'en ce moment on est plusieurs à être attaqués spirituellement et par des pensées en particulier qui peuvent venir de personnes, de sortir de la bouche de personnes qui nous sont proches, très très proches même à certains moments. Et je crois que en ce moment c'est très dur, pas juste pour toi, mais qu'on est plusieurs à vivre ça en ce moment. Et je voulais te dire une chose, c'est ne perds pas courage, n'abandonne pas, parce que même si l'ennemi fait grande opposition, qu'il y a beaucoup de résistance, tout ça, et qu'il essaye de t'assaillir, de te mettre par terre, c'est clairement la victoire qui est pour toi, et l'ennemi le sait, et c'est pour ça qu'il essaye de te déstabiliser et de te mettre par terre, de te faire croire que ses flèches vont t'atteindre et que tu vas finir au sol sans pouvoir te relever. Ce que je crois, mon ami, et je sais que c'est ce que je suis en train de vivre aussi, c'est que juste après ça, tu vas voir, tu vas rentrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur, une nouvelle dimension d'intimité, une nouvelle dimension de communion, une nouvelle dimension d'unité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une nouvelle dimension de connaissance de son identité, de qui il est, tout ça, et donc de ta propre identité, une nouvelle dimension de gloire aussi, de miracles, de signes, de prodiges. Le Seigneur veut faire de nous des soldats. Et oui, il va y avoir de la persécution, il va y avoir de la moquerie, il va y avoir des gens qui vont s'éloigner de toi, même des gens que tu soupçonnes pas. Dieu va mettre de la distance entre toi et certaines personnes, entre toi et certaines circonstances, mais Dieu va aussi te pousser dans des endroits où tu vas découvrir de plus en plus qui il est, sa sainteté, sa gloire, sa puissance, sa volonté, son amour, son esprit. Et ça va aussi passer par toi, et je dis bien par toi, pas par des super apôtres, des super pasteurs, des super évangélistes, des super délivreurs, des super chasseurs de démons, des super guérisseurs, mais ça va aussi passer par toi, parce que Dieu est en train de lever une armée forte et puissante et multitude, une multitude de gens, comme toi et moi. Sois béni, mon ami.